Ce matin, la communauté des prêtres et sœurs du Centre Saint-Joseph à Saint-Césaire a effectué la procession des litanies majeures et chanté les litanies des saints. Les conditions du confinement dû au coronavirus n'ont pas permis d'inviter les fidèles à s'y joindre. Mais que sont les litanies majeures? Les litanies majeures sont une procession publique durant laquelle on chante les litanies des saints. L'Église romaine compte encore aujourd'hui 4 jours de ses prières pénitentielles publiques, les grandes litanies le 25 avril et les petites litanies les 3 jours qui précèdent l'Ascension. Ce sont des jours que l'Église consacre à la prière afin d'implorer la miséricorde de Dieu dans tous les besoins temporels et spirituels, et particulièrement pour obtenir sa bénédiction sur les fruits de la terre. Prier les grandes litanies de la Saint-Marc et les petites litanies d'érogation cette année prend un caractère tout particulier en ce temps d'épidémie. Ces supplications sont tout spécialement prévus par l'Église pour implorer la miséricorde de Dieu et chasser les maux qui nous affligent. Alors, quelle est l'origine de ces litanies majeures? Pendant l'automne 589, Rome fut affligée d'une inondation suivie d'une épidémie dont fut victime le pape Pélage II. Pour conjurer la justice divine, Saint Grégoire le Grand ordonna une procession solennelle. Tombant en temps pascal, cette cérémonie pénitentielle garde un caractère festif. C'est la raison pour laquelle, même si on faisait abstinence, on ne jeûne pas. La présence du peuple fidèle aux litanies fait partie essentielle de ce rite réconciliateur. Malheureusement, la pratique de se joindre à ces prières de réparation s'est perdue, en particulier depuis Vatican II. Espérons que les calamités et épidémies d'aujourd'hui rappelleront aux clergés et aux fidèles l'importance de ces prières publiques de réparation et de supplication.